Avec ceux qui sont loin. Ceux qui sont éloignés. Comme ça, ta bienveillance, en fait, qu'il fait à ceux qui sont éloignés, ça va un peu le faire comme s'il est un bon chrétien, comme s'il est trop proche de Dieu. Ouais. Donc, tu laisses tes frères près de toi, que tu devais prendre soin d'eux. Ok, c'est quelqu'un en Europe, c'est celui-là avec qui tu parles le plus. Vraiment, tes frères qui sont près de toi, ceux qui t'aiment, tu ne leur fais pas de bien. Tu peux faire du bien aux inconnus à l'extérieur, de l'autre côté. Et avec ça, tu dis non, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Et l'objectif du diable, c'est de te bousculer. Il n'est pas contre le fait que tu poses des bonnes actions. Plutôt, il encourage ça. Les grands idéaux, il encourage. Est-ce que toi, tu te bats pour la liberté? Il t'encourage. L'activisme religieux, il t'encourage. Tu laves le sol, l'église, vas-y. Tu litres la vie, vas-y. Il t'encourage. Je me bats pour la liberté. Ok, c'est bien beau. Tout ce qui refuse, ce qui peut être en déphasage, peut causer le déclin, c'est-à-dire tout ce qui entre dans le royaume, dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Voilà tout ce que Satan fait son effort pour arrêter. Et du coup, tu peux voir d'autres dire que non, je lutte pour la cause des orphelins, je lutte pour... Ok, mais ça, quoi, il faut avoir le salut. Rien. C'est pourquoi Satan dit, vas-y. C'est pourquoi les humains, les francs-maçons, ils vont donner des offres dans les hôpitaux, etc. Allez-y. Mais... tente de venir parler de Jésus. Interdiction, même en France, on ne parle pas de Jésus à l'hôpital. Tu tentes, on va te disqualifier. Parce que Satan est très en colère quand il s'agit du royaume, quand il s'agit du salut des âmes. C'est très important. Et nous voyons qu'il est important, mes frères, de pouvoir prendre soin de ceux qui sont réunis. C'est une tactique du diable de faire que tu oublies tes parents. Tu n'as pas fait du bien à ton ami, pourtant tes parents ont souffert pour toi. Tu as du temps pour appeler les autres de loin. Ta mère qui est près de toi, tu ne l'appelles jamais pour lui saluer, dis bonjour. Ton frère, ton père qui est à côté de toi. Vraiment les personnes qui t'ont aidé, t'ont soutenu. Jamais tu n'as manifesté ta reconnaissance avec eux. Mais tu peux appeler les potes. Oh, pote, je me rappelle qu'on a fait ci. Et tout ça sont les tactiques du diable. Et son objectif capital, c'est de te bousculer à poser des actions, qu'elles soient bonnes ou pas, même bonnes, à poser des bonnes. Si tu es quelqu'un qui est sensible aux bonnes actions, il va t'encourager à poser des bonnes actions qui partent à l'encontre de ta destinée. Son objectif, c'est de t'empêcher de poser les actions qui coulent avec ta destinée, avec ta vision. Peut-être moi, je suis pasteur. Son but serait de me bousculer à faire des activités qui partent en l'encontre de mon appel pastoral. Il peut faire à ce que moi, par exemple, je puisse passer tout mon temps beaucoup plus à parler de la politique. Ça n'a rien à voir avec mon appel pastoral. Il peut me bousculer à beaucoup plus aller rendre visite aux autres gens dans leur religion qui n'a rien à voir avec mon appel. Donc son but c'était bousculer à travailler, mais travailler des travaux qui n'entrent pas dans ta destinée. Je ne sais pas que quelqu'un comprend ce qu'il dit. Oui, c'est ça son but. Il te bouscule même. Donc l'objectif du diable, c'est de faire poursuivre l'objet au détriment de l'objectif. C'est ça son but. Il sait que Dieu t'a envoyé sur la terre pour adorer Jésus. Ok, il te bouscule à lui faire la louange. Il te bouscule à abandonner l'adoration. Il te donne du succès dans ce que tu fais. Oui, du succès dans ce que tu fais. Hey. Les hommes vont t'acclamer. Et nous voyons donc que toute réussite ne vient pas de Dieu. Plusieurs qui réussissent aux yeux des hommes ont raté parfois même leur vision. Et Satan œuvre vraiment parce qu'il sait que c'est toi
tu découvres le ciel pourquoi tu es sur cette terre et tu l'accomplis. Ça serait un goum dans son royaume. Si le poignet d'êtres humains qui sont sur cette terre, même si seulement les 1 milliard accomplissaient leur vision, ouais, c'est que la terre est waouh. Mais aujourd'hui, il a mis des systèmes sur pied où on bouscule tout le monde à réfléchir de la même manière. Tout le monde va penser de la même manière. Les systèmes d'école sont montés à ce qu'on vous formate. Vous bousculez à voir les choses comme des moutons. Vous devez réciter tous les X plus X font comme ça, comme si. On vous bouscule à voir comme ça. Pourtant, l'école devrait consister à générer en chacun le génie créateur qui est à connaître. Ok, ici, Dieu m'envoie pour faire ceci. Dieu m'envoie pour faire ceci. Voici la qualité qu'il y a en moi. Voici le talent créateur qu'il y a en moi. En fait, ça qui devrait être l'école. L'école pour moi devrait être comme ça. Ça ne devrait pas être un processus. On boule la tête des gens avec toutes les catégories de formules, etc. Tu sors, tu ne sais quoi faire. Je suis BTS, BTP, ou la BTL, c'est BTP, ou c'est BT quoi, ou c'est doctorat, ceci. Et tu l'envoies. Des histoires. Tu vois un docteur pauvre, docteur incapable de faire quelque chose de grand, docteur incapable de pouvoir mener les gens, docteur encore, mon papa. On prend, non, je vais donner cours, on prend le bord, on copie. Oui, comme j'ai dans le diplôme là, on lit le cours. Écrivez, écrivez. Pour que je me tienne ici devant vous, même si je lis le bord, il faut que tu aies d'abord ce que j'ai eu. Tu as compris, allez, écris. Et chaque mois, je m'avais choqué. Existence, pas vie. Parle, maman, parle. Il y a encore une phrase, une citation qu'il a donnée qui m'a beaucoup marqué. Il dit que toutes les extrêmes sont encouragées. Encouragées. Sauf une dévotion complète à l'ennemi. Donc, quand tu fais quelque chose, non, ce n'est pas pour Dieu, non. Gars, il t'encourage, il t'encourage. Tes amis vont venir. Mais si c'est une dévotion complète à Dieu, c'est là qu'il faut te garder. Il ne faut pas permettre qu'il soit totalement à Dieu. Bon, il peut t'encourager un pied dedans, un pied dehors. Va voir tes amis monter, danser un peu. Après, tu viens, tu fais un semblant de voir. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Même Jésus marchait avec les mauvais gens, non. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais, en totale consécration à Jésus, l'ennemi Satan est très en colère. Que tous les faux, le centre d'intérêt de la personne est centré sur si l'ennemi. Si dit... Ouais, il est totalement vaincu. Attends, c'est un pasteur, un grand homme de Dieu, pour sa mère, à renommée, qui réunit même 3000 personnes. Le gars écoute l'adoration. Oh, oh, Jésus, mon amour. Il dit que, hey, on n'aime plus Dieu comme ça. Fais attention, 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 on n'aime plus Dieu comme ça. Hey, attention, 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 on n'aime plus Dieu comme ça. L'autre dit que, si tu aimes Dieu, quand tu ne vas jamais te marier. Hey, attention, attention. Tu vois que Satan. Un pasteur, un pasteur. J'ai posé la question à l'autre, quel est le plus grand commandement? Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Ok, tu comprends ce que ça veut dire. Il dit, mais attends, c'est comme ça. Mais l'exégèse, c'est que, je dis vraiment, attends, redis encore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur. Puis, allez, je fais la théologie, et toi tu as fait la théologie. Je me suis très en colère. Très en colère. Et c'est ça. En fait, Dieu pour plusieurs, Dieu est un prétexte où on utilise le nom de Dieu pour se faire de l'argent, pour se faire X, pour se faire Y. Et tu vois bien que l'allié du diable, c'est la religion. Beaucoup plus la religion. Que
Il faut empêcher à ton protégé de regarder ta voix, les gars fixés sur Dieu. T'as dû regarder sur lui-même. Oui, oui, oui. Quand il faut lui demander que c'est un mois d'aimer, t'as dû aimer par ses propres forces. Il t'as dû avoir le courage. T'as dû avoir le courage par lui-même. Par lui-même. Qu'il soit par lui. Oui. Qui regarde à lui et non sur Dieu. Qui regarde à Jésus et son père. Oh, ce qu'il a perdu, il a perdu la bataille. Ça veut dire que le diable nous donne aussi souvent ces sensations. Nettement. On va voir ça dans la délivrance. Il y a des démons qui œuvrent à te donner à avoir des expériences que tu ne devrais pas. C'est pourquoi même quand un ange m'est apparu la première fois, Boya, pas, je lui ai posé la question, quelle est ta confession de foi? C'est pas parce qu'il y a eu un miracle que tu dis, hey, c'est Dieu. En montant au nom des Perses, tu tends le doigt comme ça, pas avant de dire au nom de Jésus, les jambes du paralytique, crrr, ta, debout. Alléluia, bonjour, c'est au nom des Perses. C'est pas Dieu, oh, on voit ça. Oh, on va voir ça dans la différence, les gars. C'est pas parce que les gens font des miracles. La Bible dit que ce sont des miracles mensongers. Parce que ça ne trouve pas sa source en Jésus-Christ qui est la vérité. Hein? Tu vois donc l'orgueil spirituel que les gens ont. Je jette ceci, je fais ceci. Donc Satan aime bien ça. Parce qu'il sait que ce qui a créé le diable, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Et c'est tout ça qui veut faire naître en paix dans son cœur. Nettement. Et c'est se sent suffisant, fort, plus grand que. Et c'est nettement ce qu'il y a dans l'assemblée. Tu vois, tu ne peux plus écouter aujourd'hui un homme de Dieu pour 30 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Sans toucher son moi. J'ai. Ouais. Jésus n'est plus mis sur la table, les gars. On utilise le nom de Jésus, il a pu faire le miracle, mais on parle plus de l'homme de Dieu, de l'onction de l'homme de Dieu, de ses histoires qu'il raconte. Je suis parti, j'étais monté. Jésus n'est plus mis sur la table. Au point où tu commences à adorer, quand tu finis d'adorer, tu dis ok, arrêtez maintenant, on passe aux vraies choses. Comme si l'adoration n'était pas une vraie chose. Non, pour de vrai. Au ciel, on va adorer. Donc tout ce qu'il raconte, attends. Entre l'adoration à Christ et ce qu'il raconte là, quelle est la vraie chose, les gars? C'est même pas comparable. Où il entre, on arrête d'adorer le roi des rois, on dit qu'on venait l'onction de l'homme de Dieu. Grande dimension. Mais ça fait mal. Et tu vois que Satan, lui, il a réussi à s'infiltrer et il opère en silence. Et même des choses bizarres que les gens acceptent. On parle de l'ancien baiser sur sa chaussée. Ouais. Il avait les pieds sur sa tête. Tout dans la même lancée, donc pas le fait qu'il bouscule à être orgueilleux, fait en son point un esprit non disposé. Nettement. Et il veille à ce que, quand on a cet esprit de suffisance, pendant qu'on parle, ah, je connais ça, je connais déjà. On banalise les choses et on n'arrive plus à être réceptif. On ne peut pas recevoir le Dieu. Parce que Dieu ne pourrait remplir que des vases qui sont vides. Et l'orgueil consiste que tu es un but à faire, tu es rempli de toi-même. Oui, tu es rempli de toi-même. Je connais déjà. Je suis plus grand que X. Je suis plus honoré que X. J'ai plus d'argent que X. Mon frère en Europe, ma soeur en Europe. Le moi là. Apprends à respecter chacun. Au moins, le signe caractéristique de la plénitude du Saint-Esprit, c'est cette humilité. Plus tu es revêtu de Christ, plus tu es humble. C'est vrai. Je ne connais pas le Saint-Esprit que les gens sont remplis et ils sont orgueilleux plus que le diable. L'autre te parle seulement. Le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a parlé, le Dieu me dit de te dire. Pour finir, tu es comme étonné. Mais attends, ça prend la confusion. Ils ont le thème là, eux seuls se comprennent. Bah, quand ils parlent dans ces églises bizarres, mais quand ils racontent, oui, ça donne le vertige. C'est la vérité.